très important. Et sans plus attendre, on part pour le match Odin Oh là, Legend face Yuna à Yuna. Love and Devotion. C'est parti, on verra combien d'armure lourde à votre avis. Moi je fais un 10 de chaque côté. Non, je pense qu'il y en aura moins. Je pense que là ça joue un peu plus. Ah bien, bien, bien. Bah tiens, d'ailleurs Light pour ah, cette bah, 10. 10 d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Alors ouais, on a 9 armures lourdes du côté Odin. Ah, c'est vrai que Light est chez eux. Bah bref, ça aussi, c'est vrai que. Ah, Odin, je l'ai jeune. Pareil, putain, j'avais qu'un seul truc à faire, je ne l'ai pas fait. Ouais, bah change le truc. Bah, c'est vrai qu'Odin's Legend, c'est pas mal de joueurs de chez Eden. C'est une équipe qui, notamment encore cette semaine, a Scrim No Bitches. Donc, qui voit les strats d'une équipe de féodal, qui scrim contre elle, donc qui sait jouer la map, qui voit comment la map est jouée. Clairement. Donc, qui peut fortement s'en inspirer. Donc, c'est sans doute aussi une des raisons qui fait que Odin's est aussi bien dans cette ligue rustique. Ils ont accès justement à des scrims d'équipes de la ligue d'au-dessus et sans doute aussi des conseils parce qu'au sein d'Eden, on se donne les petits tips. Très probablement, non mais ouais, clairement, moi honnêtement, je vois vraiment Odin's Legend favori de ce que j'ai entendu pareil. Alors, moi j'ai entendu en scrim, tu vois, typiquement, je vais pas te mentir que apparemment No Bitches a été sec avec eux. Mais ce qui est pas choquant, on sait très c'est bien beau. Que. Voilà. Mais on a beaucoup de. On a littéralement 6 mauls hein, là côté Odin's. Alors on veut grab, hein. On veut grab des choses, vraiment on veut regarder ce que fait Papa Matix et on veut le reproduire. Donc peut-être là-dessus. Peut-être qu'on dit que sur un malentendu et avec 3 FPS et 5000 de ping, on va peut-être tenter genre 15 grabs avec 6 héros. Peut-être. Ça peut passer hein. Mais alors du coup, sans plus attendre, on se met en place au niveau des unités, vous voyez, on va passer un petit peu de temps. Donc on voit les premiers Huskarl du coup, parce qu'on avait pas vu du Huskarl de côté Crypta. On a deux Huskarl côté Odin Legend, du côté de Crazy, du côté de OP Chapel. Pas mal de Jav, 3, 4, 4 Jav côté Odin Legend, pas mal de gardes du palais. Un seul ancien Imperion, 2. Attention oui. À ces Huskarl, on en a qu'un de sortie en première rota. Oui, mais là, si c'est Huskarl, on le laisse build full stack dans un push, ça peut. Et qu'on le laisse s'enclencher, ça peut être très très violent. Bah, voilà. Surtout pour le coup, le mode tournoi, moi je trouvais vraiment. En fait, en faveur d'une unité comme les Huskarl, parce que t'as que 3 combats, donc t'as le temps en fait, t'as largement le temps de faire ton 10 secondes de champ de guerre. Hein. Clairement. Mais en tout cas, côté Love and Devotion, si c'était une défense un peu plus atypique, donc là littéralement on très se haute. Met devant la porte. Ah, la défense est haute. Là, ah, oui, c'est. La défense est haute et stack, on a un ancien impérieux, un piqué impérieux et un garde du palais. Ouais. Pourquoi pas. Si vous voulez, par un petit Tersos derrière, un peu. Ouais. Est-ce qu'on essaierait de cheese un 2 sur les héros qui pousseraient. Est-ce que tu pourrais me trouver les Siphonaros, Asta? Je ne les vois pas, les Siphonaros de Love and Devotion. Tout à fait, je pars en quête. Jamy. J'ai ma petite idée, oui, voilà, sans surprise, ils sont au niveau du pont de B. Hein. Ils avancent là, du coup, vers la brèche. Ça, on les voit, ils avancent directement vers la brèche, ok. En tout cas, Love and Devotion, assez actif dans sa défense. Hein. Clairement, on n'est pas passif, on veut pas se laisser faire. On veut directement prendre à la gorge, directement regarder, on va défendre les murailles. On les laisse pas prendre position sur les murailles, on clique toutes les échelles. On va jouer les chokes. On va jouer les chokes, toi. J'aime ce. Alors après, tout à fait. On va voir. Moi, je suis curieux de voir comment Odin Legend va s'adapter parce que c'est pas évident qu'ils aient pu se préparer face à une défense comme ça pendant la semaine de scrim. Honnêtement, je serais surpris que quelqu'un ait fait ça. Tout à fait, tout à fait. Bah, on va bien voir. Alors, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que là, notamment en attaque, la rota sur le point de B, vu qu'il y a la rivière et qu'on vient de prendre le pont, est ultra lente. C'est que du coup, Love and Devotion aura largement le temps de rotate et a quasiment aucune chance de faire out-rotate sur B. Alors attention, directement par la brèche. Attention, peut-être que là, tu sais, on push à la brèche, on meurt et on respawn et on. C'est de snowball B. Peut-être, mais directement, on a les papis croquis qui prennent la position. Les papis qui vont se faire déborder assez rapidement. Les Modao, faut pas hésiter à les ancrer, les Modao, côté Love and Devotion. Qu'est-ce que c'est que ça? Ancre tes Modao! Mais sans plus attendre, on push la porte en même temps. On met sa tête généreusement dans un setup bien ancré avec tous les DPS. Ça va très mal se passer à la porte normalement. Mais à la porte ils vont se faire balayer là, la marche impériale, super, y'a pas de shield pour bloquer la marche impériale. Okay. Ouais, et pourtant, le setup principal. Le setup de la brèche s'est fait balayer. Ah ouais, en vrai, la porte principale. Meilleure exécution individuelle, juste meilleure exécution individuelle de la part de Odin Legend, y'a pas d'autre explication. Parce que pour le coup, le setup était largement en faveur de la Ouais, clairement. Même si je reste persuadé que ce Modao ancré aurait fait une petite différence. Ah, s'il avait été ancré. Dommage, petit mal dans sa poche, on a un trap totalement piffé. Oui, on veut. Oui, c'est pas
Bon, on a voulu quête, on va une retraite. Voilà, oui. Bon, il y a un peu les aussi, pourquoi pas. Et là, on empêche éclair. Une prise de A en empêche, ce n'est pas. Oh. Ça, en fait, ça montre une supériorité individuelle massive, une supériorité de l'équipe massive. Pourquoi autant de mauls, on sait. En vrai, de vrai. Il n'y a plus de hache d'armes, donc faut bien combler. Hein. Ah, je serais pas étonné, donc notamment bah, des Eddy qui font une reconversion hache d'armes, mauls, ou peut-être qui étaient mauls à la base et pour le switch là, pour qu'on puisse jouer épée courte. Peut-être aussi une dire qu'on est un peu meilleur et que, bah, mine de rien, 6 mauls, si t'es bon, tu punis très très vite les out of pause de l'équipe d'en face. Clairement. Donc avant, à 6 mauls, t'as des grabs quasiment tout le temps. Une erreur de placement, Light qui a pas dans le chat, mais qui directement se fait double lame, là on le voit, au-dessus de C. Ah, je l'avais pas vu, mais FDS Light, FDS Light tout seul, FDS Light peut-être. Il a dragon et il se part sans encombre, c'est bien joué ça, Light. Moi je pense qu'en double vocal, il a dit les mecs, je suis safe. Hein. Allez, tiens, probablement. Probablement. Oh là là, alors que pendant ce temps-là, Bubbles, regardez-moi ça. L'ermite des montagnes avec son mousquet sur la montagne tout seul. Là, typiquement, attention, hein, parce que. Et moi, j'avoue que là, je suis face à une inconnue, je comprends pas vraiment. Parce que tu vois, moi je te le dis, moi, je m'en excuse, du coup, on n'a pas vu l'explosion du setup brèche. Parce que le moment où je suis parti, on avait des papiers en place, des Bodao qui je pensais aller s'ancrer, des Sifodaros qui n'étaient pas dive de Parodine Legend. J'étais en mode, bon bah c'est bon, c'est clean, c'est carré. Je pense quand même qu'on a pas mal dive à la brèche, notamment avec les mauls. Ils ont dive au moment où je suis parti, j'avoue. Mais tu vois, c'était pas non plus ultra rapide. Ça aurait pu être plus rapide pour moi. Là, directement, tu vois, on voit un Shanglan, premier maul, hop, ambiante directement. Ouais. Qui est un peu tout seul, isolé, et boum, directement se fait maul. Bah, attends, hein. Non, il va pas sortir du tout là. Là, si on communique un peu, on sait qu'il est derrière lui, l'héros. Voilà, on l'a dismount, là, il y a encore des grappes de maul, hein, qui sont là, tu vois. Directement. On a un bon trèbe, un trèbe pas si mauvais qui force la défense à se repositionner. La défense est bien positionnée au niveau de ce couloir. En fait, la défense, faut pas qu'elle laisse à l'attaque l'occasion de se mettre en place sur ce talus. Ouais, c'est moi. Et là, tu vois, comparé à tout à l'heure, bah, on voit les Outriders qui sont directement sur le point de fin. Ouais. Et qui vont chercher, genre, beaucoup plus en avant, directement les. J'ai oublié leur nom, c'est terrible. De quoi, les Odins? Les Odins. Ouais. Voilà, directement, on les avance beaucoup plus loin et on attend pas qu'ils soient directement sur le point de fin. Le trèbe. Ce trèbe a touché, il y a qu'un seul boulet qui touche, c'est pas si terrible. Après, pour le coup, tu vois, mais celle-là, tu vois, c'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on va remarquer sur A. Alors sur A, ça a pas payé parce que récemment, il y a eu, pour moi, tu vois, hyper, la manière dont Love and Devotion se fait clapper sur A, c'est purement de la supériorité individuelle, c'est la supériorité d'exécution individuelle, voilà. Mais là, tu vois, de base, dans la stratégie, on sent Love and Devotion beaucoup plus agressif dans leur défense. Regarde ce trèbe là. On avait littéralement les tertios cachés dans les garilles. Oh là 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 là. Mais bouge-les! Bien vu! Ça a été bien vu. Ah bah écoute, disons dans le buisson, on voit pas ce qui se passe. En tout cas, le sang sur le sol témoigne que certains tersos se sont laissés la vie. En tout cas, alors je suis côté attaquant, moi, je sais pas si t'es mis côté défenseur, mais. Moi je me suis mis côté attaquant, là on est le meilleur du coup. Ok, voilà. On a du coup Dova et Luc Ostrel qui eux en fait ont leurs deux packs d'unit et qui essayent de mettre la pression dans le back. Tout à fait. Qui force des gens à toujours les surveiller. Donc on va aussi les surveiller eux, parce que je pense qu'à un moment ils vont déclencher dans le back. Clairement. Ce qui en plus c'est le back qui mène directement là où en général on met les DPS ou l'arrivée de cave. Donc si on arrive à bloquer directement cette choke, ça peut être un très bon move. On voit les Modao qui reviennent. Mais dans tous les cas, encore une fois, bon taf de pas laisser le talus comme ça. Alors après, attends, je vais brisquer à faire un tab rapidement. Regardez les unités rapidement, je vais sortir du tab rapide. Ok, non, on a le setup Javelinier qui commence vraiment à poke le setup défensif de côté de Love and Devotion sur la petite route à droite du talus. Mais attention. Oh, le back qui active. Non. Ouais, je vais remettre les unités rapidement. On a 3, c'est ça que je voulais voir. On a 3 Jav côté Love and Devotion. Pas mal de gardes du palais des papilles. On a des piquins PAO, des berserkers. Double Fauchefer, un Modao, un Veneur en DPS. Mais en fait, c'est ça. Par contre, en fait, du coup, le talus ils s'en battent un peu les couilles du côté Odin Legend. Parce qu'en fait, ils ont pas vraiment les DPS pour l'exploiter. Non, clairement. Ça commence à s'avancer, ça met un trèbe. Ça commence à activer, ouais, clairement. Ah, ça y va. On push des deux côtés. Et là, le back instantanément qui push aussi. Une très très belle synchro. On push évidemment sur les 3 côtés en même temps. Ah, ça a probablement été collant en double vocal. Ouais, et attention là, Love and Devotion, et si on pouvoir réagir à ça, parce qu'ils perdent déjà 2 héros. Très belle marche impériale du côté droit, le côté droit qui saute directement, on a bien pris la position sur le centre, l'arrière qui semble tenir. On a de la cavalerie qui vient repousser légèrement l'arrière, mais ça semble pas giga efficace comme dans Pokémon. À côté de ça, on a tout le setup à droite qui commence, qui va se mettre en place directement sur le point final. Là, le trade est sans appel, hein. Le trade est sans appel, c'est game. On a perdu 6 héros côté Love and Devotion, 7 héros contre aucun côté Odin's Legend. Là, littéralement, on est arrivé, on a puni les héros.
Et là où j'allais dire, bah en fait Odin's Legend ils sont pas pressés, ils ont encore 7 trébuchés, ils vont juste attendre que Love and Devotion fasse une petite erreur et se fasse trêve. Bah en fait non, ils ont essayé d'enclencher. Alors 3 push très très clean en même temps, vraiment c'était très bien exécuté. Ouais. Et Love and... et bon, c'est quand même assez important de noter, et presque un miracle, enfin un miracle. Love and Devotion a réussi à perdre sur les 3 flancs en même temps. Ouais, bah là c'est dit à quel point Odin's Legend est individuelle. On en revient au début, la supériorité individuelle elle parle clairement en faveur d'Odin's Legend. Voilà, et là on va essayer d'arriver comme on peut, mais là, comme on l'a dit, hein, le back du coup qui a bien pris cette petite choke, qui cancel les caves très très hautes, qui n'ont pas beaucoup de temps avec ce virage de prendre de la vitesse. Là c'est la force du désespoir qui anime la Vein Devotion, parce que là, tu temporises pas à pouvoir 6 minutes comme ça. Hein. C'est game. C'est game. Ouais, tout à fait, on tente, mais là, bon bah, fait que donner un sacrifice à Odin. Dommage. Maintenant par contre, ok du coup ils sont passés par les escaliers de la droite, ils ont appelé le setup par son... Moi je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était un peu lent Enjack, mais je peux me tromper là-dessus. Encore une fois, on voit un premier fight sans appel, les deux fights sont sans appel de toutes les manières. Encore une fois, surprenamment, hein, un meilleur fight sur le point final côté défenseur que sur A. Ça fait deux fois quand même. Hein. Non, le lendemain l'idée de vouloir mal parler des classements et tout, mais tu vois, on voit côté Love and Devotion qu'il y a eu des petits problèmes. Ce tirade à partir d'Overlook, donc littéralement en fait les 7 derniers joueurs, on est sur une moyenne de kill 8 qui est même pas à 10 hein, je crois, ou qui est à peine à 10 sur 7 joueurs. On a en fait là en termes de ratio d'unités jouées et d'unités perdues, enfin est-ce qu'on a consommé pour l'adversaire. Mais attends, mais il y a eu que 3 morts côté Odin's Legend. Ah oui, bah c'est, vous savez, à chaque fight, genre le dernier fight, c'est littéralement un pixel fight hein, qui est parti. Ah ouais, non mais 3 morts c'est pas assez les gars, hein, faut... Ah, même tu vois, la value des unités, on n'a pas réussi à faire payer ces unités là. Ah ouais, le clap est violent quand même. Ah ouais.